بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout le miséricordieux, celui qui nous a permis de venir pour sa salat, pour la salat de Jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'énormes faveurs, chers frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé la plus grande des ni'mah, le plus grand des bienfaits, le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde toujours des moments et des occasions où sa miséricorde s'exprime d'une façon exceptionnelle, d'une façon abondante. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, « Utlubul khayr dahrakum kulla wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat yusibu biha man yasha'u min ibadi wa sallallaha an yastura awaratikum wa an yu'ammina rawatikum » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens, recherchez le bien durant toute l'année. Utlubul khayr dahrakum kulla wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, et présentez-vous à ces occasions où Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de bienfaisance encore plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde ces occasions à qui il veut. Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la sécurité, d'éliminer vos craintes et de vous accorder la sécurité. Et parmi ces occasions, Allahu Akbar, comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait les choses? Après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal, un mois béni, qui était le mois de Ramadan, un mois béni exceptionnel en termes de miséricorde, en termes de bienfaits. Shawwal, après Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant va nous accorder trois mois, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram. Ces trois mois et le mois de Rajab qui viendra plus tard. Mais regardez, on va terminer l'année avec les mois sacrés. Et on va commencer l'année avec un mois sacré. Et la particularité des mois sacrés, c'est que depuis Ibrahim alayhi salatu wassalam, ces mois existaient et chaque bonne action accomplie durant ces mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala augmente les récompenses qu'il n'y a pas dans les autres mois. Dans les autres mois, c'est multiplié par 10. Mais dans les mois sacrés, une bonne action, c'est encore plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ses bienfaits. Nous sommes aujourd'hui le 27e Dhul-Qa'da. 27e Dhul-Qa'da, dimanche soir, le 11 juillet, dimanche, on regarde la lune. Si on trouve la lune, les 10 premiers jours, et ça on doit vraiment se focaliser sur ces 10 premiers jours, parce que ces 10 premiers jours maintenant, dans un mois sacré, qui est le meilleur des mois sacrés, Dhul-Hijja, dans le mois sacré maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait encore un acte de bienfaisance, subhanallah, encore plus extraordinaire que ces 10 premiers jours de mois de Dhul-Hijja. Allah subhanahu wa ta'ala déverse et déverse sa miséricorde. Celui qui a accompli un jeûne durant ces 9 premiers jours, c'est équivaut à jeûner en récompense toute l'année. Et nous sommes en hiver, subhanallah. Donc le temps est très court.
Le temps de jeûne, il est très court. Donc chaque jeûne accompli durant les 9 premiers jours, c'est l'équivalent en termes de récompense d'avoir jeûné toute l'année. Et n'importe quelle bonne action accomplie durant ces 10 premiers jours, cette action, elle est meilleure que l'avoir accomplie dans n'importe quel autre 10 jours de l'année. Donc voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, il nous gratifie, il nous donne les moyens de nous racheter, de préparer l'au-delà. Il ne faut jamais oublier dans cette illusion qui nous entoure que la réalité, c'est que c'est la mort. Et dans la tombe, on aura besoin de nos bonnes actions. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « wal fajr » par l'aube, les 10 premiers jours, « wa layalin ash » et les 10 premières nuits. Alors, subhanallah, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cité par Imam Tirmidhi, rahimahullah, un acte d'adoration accompli dans les 10 premières nuits. Et ça commence après Maghrib. Après Maghrib, jusqu'à l'aube. C'est accomplir cette action en termes de récompense dans la nuit du destin. Allahu Akbar. T'es subhanallah. Comment Allah? Mais c'est une avalanche. Mais c'est une avalanche de dons. C'est vraiment un cercle vertueux de dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait. Donc le jeûne, la journée, et n'importe quel acte d'adoration. C'est pour cela certains savants, eux, ils donnaient leur zakat durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Parce que n'importe quelle bonne action accomplie durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, c'est meilleur que cette même action faite dans autres 10 jours de n'importe quel mois islamique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prend, il fait qasam par l'aube. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de faire un serment. Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole, elle est véridique. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, wal asr, wal fajr, etc., c'est pour attirer notre attention sur quelque chose qu'il veut nous donner, qu'il veut nous gratifier. Et qu'on puisse prendre conscience que vraiment, on doit se dire, allez, ces 10 jours, incha'Allah ta'ala, je vais augmenter plus que d'habitude, sadaqa, le jeûne, les salat nawafil, rester loin des péchés, changer sa vie. Ce sont des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à travers ces mois sacrés. Hazrat Umar radiallahu anhu, par exemple, lui, il préférait remplacer ses jeûnes qadha durant les 9 premiers jours. C'était son habitude. Donc, à nous de se dire que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ces occasions-là, ben je dois les saisir grandement et pleinement. Donc si on trouve la lune dimanche soir, Eid al-Adha, ce sera un mercredi 21 juillet. Si on ne trouve pas la lune, ce sera le jeudi 22 juillet. Et la nuit de Eid, encore, Allah subhanahu wa ta'ala déverse en abondance ses bénédictions. Donc profitons. Les ulama, nos pieux prédécesseurs, lorsqu'arrivaient ces moments-là, ils encourageaient les enfants. Ils encourageaient, ils exhortaient à sadaqa, dua, lecture du Coran. Certains faisaient même un khatmul Coran durant ces 10 premiers jours. Un khatmul Coran. Et bien sûr, l'action phare de ce mois de Dhul-Hijjah, c'est le Qurbani, bien sûr. Le Qurbani. Donc, attirer l'attention de nos enfants sur l'histoire de Qurbani, le sacrifice de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, comment il a éduqué Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Ne l'oublions jamais. Posons-nous cette question qui doit être une question quotidienne. Qu'est-ce qui va me rendre service lorsque je vais quitter ce monde? Qu'est-ce qui va me rendre service? Qu'est-ce qui me sera utile dans la tombe? Parce que dans la tombe, je serai tout seul. Il n'y a personne.
Donc attirer l'attention de nos enfants sur l'histoire de Ibrahim alayhi salatu wasalam et de son fils Ismaël alayhi salatu wasalam, comment l'éducation a été faite. Comment cet esprit, cet état d'esprit de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos enfants jouent, alhamdoulillah, nos enfants profitent, mais leur faire profiter, Rabbana atina fid dunya hasana, on s'est pas arrêté là, Allah subhanahu wa ta'ala s'est pas arrêté là. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Et on continue. Généralement dans les livres de contes, et c'est là où nos enfants doivent comprendre, dans les livres de contes là, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, et on ferme le livre. Ben, c'est nous que le livre continue justement. C'est là où, dans la tombe, cette vie paisible, akhirat, waqina azab an-nar. Et c'est ça qui est primordial. Donc tous ces moments où Allah, subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur sa miséricorde, sur sa, subhanallah, sur tout ce qu'il nous donne, Allahu Akbar. C'est pour nous une occasion, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas quand est-ce que la mort arrive. Donc, des provisions, on doit en faire pour l'au-delà. On ne doit jamais perdre de vue que cette vie, ben, tôt ou tard, il n'y a pas que je dois tomber malade pour mourir, ou bien je dois arriver à un certain âge pour mourir. Non, en fait, à chaque instant, la mort nous guette. À chaque instant, la mort, elle est présente. Et ces moments où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est pour attirer. Donc on doit saisir, on doit se dire que c'est une promotion qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fait. Pour une promotion spirituelle, pour me racheter. Et durant ces 10 premiers jours, il y a le takbir et tashrik. Mais le takbir et tashrik, avant le takbir et tashrik, les sahaba radiallahu anhum, Hazrat Abu Darda radiallahu anhum, et un autre compagnon, radiallahu anhu, ils avaient cette habitude d'aller seulement au marché pour lire takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les gens faisaient le takbir. Rappelez, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, Mufti Taqi Usmani, hafizahullah, il dit, à travers les hadiths, dans son commentaire de Al-Bukhari, à travers les hadiths, nous apprenons, et c'est cité dans Bukhari justement, que les compagnons, radiallahu anhum, en marchant, en se réveillant, en allant faire son commerce, dans toutes ses activités quotidiennes, ils lisaient le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou bien Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc il y a deux takbirs. Il y a le takbir qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire le 9e Dhul-Hijjah, jusqu'au 13e Dhul-Hijjah, jusqu'à la salat de Asr. Il y a ce premier takbir-là, mais il y a l'autre takbir, et c'est faire revivifier une sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est arriver dimanche soir, on a trouvé la lune, à la maison, à nos enfants, on explique à nos enfants. C'est important que nos enfants puissent comprendre la racine. Il y a les branches, mais comprendre que ces branches et ces feuilles qui sont verdoyantes et qui s'expriment dans toute leur splendeur, il y a une racine qui est solide. Et c'est sur ces racines-là qu'on a besoin de bâtir, de faire comprendre à nos enfants, leur donner notre culture à nous. Quel mois sommes-nous? Connaître les 12 mois du calendrier islamique, les dates importantes, les moments qui sont forts. C'est très important lorsqu'on prend le petit déjeuner le matin. Bon, quelle date sommes-nous aujourd'hui? Ce matin, 27e Dhul-Qa'da, 1442. Et après, la date du calendrier grégorien, ça c'est pas grave, on le cite. Mais au moins, leur faire prendre conscience. Subhanallah, il y a des occasions comme ça qu'Allah ce matin-là, il nous offre. De la même façon, donc on a vu le takbir, de la même façon, il y a le 3e kalima. Subhanallah, wa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Ça aussi, il faut lire durant ces 10 premiers jours. Autant on peut faire, donc ne l'oublions pas, et après Maghrib, chaque action, bonne action accomplie après Maghrib, c'est avoir accompli cette même action dans la nuit du destin.
Et regardez comment Allah ce matin il nous aime. On a déjà rappelé cette vertu. Celui qui fait les quatre rakats sunnah, les quatre faras de Isha, quatre faras de Isha, il fait les deux sunnah. Avant de faire huit, il ajoute deux nafils. Ces deux nafils là, plus les deux sunnah, c'est comme s'il les accomplit chaque nuit dans la nuit du destin. Et là, dans les 10 premières nuits, c'est encore plus. Donc, sadaqa, sadaqa jariya, durud sharif, la lecture du Coran, etc., etc. Allah SWT nous donne tous la compréhension de saisir ces moments-là et de ne pas rester dans l'insouciance, inshaAllah. Fajazakumullah khaira, asana al-jazafid darim.